Aujourd'hui, on va créer un nouveau signe astrologique, les balances. Ok, cool. Et hop. Et est-ce que ce seront des balances? Ouais, c'est ce que je viens de te dire. Non, mais est-ce que les balances seront des balances? Tu te fous de ma gueule. Mais non, mais des balances, genre des poucaves, des pookies, des rapporteurs. Oh, mais non, les balances seront très loyales et fidèles. Ah, d'accord. Par contre, ce seront des balances. Putain, mais c'est ce que je viens de dire. Non, mais des balances dans le sens l'équilibre, la justice, c'est des valeurs qui leur seront chères. Ah, ok. Et ce seront aussi des balances. T'es sérieux? Mais non, je déconne. Tiens, d'ailleurs, mets-leur autant d'humour que moi. Ouais, donc pas d'humour, quoi. Pardon? Quoi? Non, rien. Allô? Ouais, et ils seront aussi courageux que toi. Bon, on va peut-être se calmer sur les défauts là, non? Quoi? Tiens, vas-y, remets-moi une qualité pour voir. Bah, les balances seront charismatiques. Bah, tu vois quand tu veux. Allez, ciao les nazes. Il vient de nous mettre à l'amende là. Ouais, ça fait mal. Hé, hey, l'ange! Aujourd'hui, on va créer un nouveau signe astrologique, les taureaux. Ok, cool. Hop. Alors déjà, ils seront attentionnés. Je peux te prêter ma veste si t'as froid? Oh bah ouais, je veux bien. Mais ils seront aussi un petit peu radins. Ok pour ma veste, mais ça fera 10 euros. Quoi? Mais j'ai pas 10 euros sur moi. En revanche, ils seront très serviables. Y'a un distributeur juste là. Je peux les retirer pour toi si tu veux. Par contre, ils seront un petit peu oppressants. Je peux y aller pour toi, je te dis. Donne-moi ta carte. Attention, hein, je vais porter plainte. Mais ils seront toujours très souriants. Allez, maintenant tu me donnes ta thune ou je t'éclate tous tes grands morts. Non mais ça suffit. Hop. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah je l'ai envoyé sur Terre, il allait me raqueter. Mais t'es un ange, il peut pas te raqueter. Bah t'aurais pu me le dire avant. Ça fait des siècles que je me fais raqueter par toutes tes créations. Pourquoi t'es pas encore viré? Hé, hey, l'ange! Aujourd'hui on va créer un nouveau signe astrologique, les scorpions. Ok, hop. Par contre le scorpion c'est pas un peu vénère comme animal? Ouais bah les humains scorpions seront aussi très vénères. Je suis énervé. Il est vraiment énervé là? Ouais, ils arriveront bien à cacher leurs émotions aussi. Et les vrais scorpions ont aussi de vraies pinces hein. Bah les humains de signe scorpion seront également radins. Ce seront de vraies pinces. Joli jeu de mots. Merci. Et les vrais scorpions ont aussi une grosse... Non, oublie. Par contre les scorpions aimeront tous les styles de musique. Sympa. Et ils se mangeront également un max d'orato, Jardiland. Bah attendez, c'est sérieux là? Mais non, je déconne, c'est impossible d'aimer tous les styles de musique. T'as déjà écouté du Jul? C'était pas ça le problème. Bref, et pour finir, les scorpions seront très maladroits. Ah, mais je suis pas maladroit là. Ah. Bon bah il est tombé sur Terre. Super, j'en ai terminé. Hé, hey, l'ange! Aujourd'hui on va créer un nouveau signe astrologique, les lions. Ok, hop. Miaou. Et dis-moi, ils seront comme les animaux? Ouais, ils auront le même caractère que les vrais lions. Ah, je vois, ils sentiront le fauve. Quoi? Bah un lion, ça renifle grave, hein. Et puis c'est des gros paresseux aussi, hein. À part pioncer et grailler, ça se touche la nouille toute la journée. Ouais, si tu veux. Moi, je pensais plutôt au côté grand, fort, majestueux, tu vois. Ah oui, bah tu peux être grand et fort et sentir le chacal. Et les vrais lions chassent des gazelles. Donc les humains de signe lion chasseront aussi des petites meufs. Stop! Ça allait devenir sexiste. Je t'ai évité une bonne sauce Twitter là. Ouais. Et au niveau de l'humour, ils seront comment? Bon, je sais pas. Ils ont beaucoup d'humour, les vrais lions. Bah, c'est-à-dire que c'est des animaux, donc non. Eh bah voilà. Ouais. Il peut quand même nous faire une petite blague pour voir. Eh, je suis un lion, comme les céréales. Ah ouais, quand même. Mais est-ce que tu peux vite l'envoyer sur Terre avant qu'il en sorte une autre? Ouais, carrément. Hé, hey, l'ange! Aujourd'hui, on va créer un nouveau signe astrologique, les cancers. Ok, quoi? Les cancers? C'est pas une maladie ça? Ouais, mais mets-leur une image de crabe, ça passera crème. Ok. Alors déjà, ils seront très joueurs. Eh, ça te dit de jouer au dé? Bah ouais, allez, je mise 20 balles. Les cancers seront aussi bien chanceux. Et hop, gagné! Tu me dois 20 balles. Quoi? Il est même pas créé qui me bat déjà? Mais ce seront surtout de gros tricheurs. Attends, t'as triché? Moi? Non. Ils seront aussi très mauvais menteurs. Bon, t'as triché ou pas? Non, c'est faux. Mais ils détesteront causer du tort. Ils culpabiliseront facilement. Ok, j'ai triché, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Oula, et t'inquiète, c'est pas grave. Et ils auront tendance à légèrement s'emporter. Je ne te mérite pas, tout est de ma faute. Je ne peux pas supporter ton regard. Je lui avais dit que c'était pas grave, hein. Il est parti où, là? Eh ben, sur Terre. Attends, mais 20 balles. Hé, hey, l'ange! Aujourd'hui, on va créer un nouveau signe astrologique, les vierges. Ah, mais ils le seront pas tous, du coup. Tu veux tester la désintégration? Ok, donc on disait les vierges, hop! Alors déjà, les vierges seront polies. Hé, hey, salut toi! Salut? Les vierges seront aussi très amicales. Ça te dirait qu'on soit amis? Bah... ouais. Ils seront aussi de vrais confidents. Est-ce que t'es sûr que ça va? C'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai un ami. Et ils seront très appréciés de tous. T'inquiète pas, l'ange. Moi, je suis ton ami. Tu sais, je pense que c'est le début d'une belle et longue amitié. Et voilà, fini! Bah je l'ai envoyé sur Terre. Mais c'était mon ami. Tu n'as pas d'ami, l'ange. Mais... Tu...
Tu vas rester avec moi pour l'éternité. Laisse-moi tranquille. T'as déjà testé la désintégration? Aidez-moi. Hey l'ange! Aujourd'hui on va créer un nouveau signe astrologique, les Capricornes. Ok, cool. Et hop. Eh ben, ça marche plus? Si, si, t'inquiète, c'est juste que les Capricornes sont toujours en retard. Ah, ok. Eh ben enfin! Bon, pour commencer, les Capricornes auront beaucoup d'humour. Il a juste mis un chapeau là, hein, on est d'accord? Ouais, sacré humour. Bon, ils seront aussi très romantiques. Est-ce qu'ils comptent rajouter un objet à chaque fois? Ce seront aussi de vrais gourmands. Il va quand même pas... Eh bah si, il rajoute un objet à chaque fois. Et dis-moi, ils parlent jamais ou quoi? Non, ils seront pas très bavards. Et ils auront aussi un très mauvais sens de l'orientation. Il est où? Ah bah, je sais pas moi. Comment il a fait pour se perdre devant nous? À quoi tu sers? Hey l'ange! Aujourd'hui on va créer un nouveau signe astrologique, les Verseaux. Ok, cool! Et hop! Bon, ce serait quand même pas mal que cette fois on se rate pas, hein. Ouais, on va essayer. Bon, déjà les Verseaux seront bien apprêtés. Et pas qu'un peu. Ils seront aussi sportifs. Oh que oui! Ils seront également très cultivés. Ah, je comprends mieux. Et dans la vie, ils seront très déterminés. Comment je fais ça, moi? Eh ben voilà! On l'a bien réussi, là, non? Ah bah carrément, on a géré, même! Et ils seront râleurs et capricieux! Hop! Envoyés sur Terre! Je te déteste, Lucifer! Ah! On me dit dans l'oreillette que je m'en bats totalement les steaks! Hé, l'ange! Aujourd'hui, on va créer un nouveau signe astrologique, les Sagittaires! Ok, cool! Et hop! Excusez-moi, c'est bien ici le stage au paradis? Un Sagittaire, pas un stagiaire! Ah, bah articule! Hop! Un Sagittaire, pas un singe en l'air! Attends, tu dis quoi? Mais pourquoi t'as des bouchons d'oreilles? Parce que tu fais que gueuler toute la journée! Un Sagittaire! Bah voyons. Je t'ai demandé un Sagittaire, pas un Ah si, c'est bon. Et bah enfin, il nous reste plus que 30 secondes pour le créer. Ah bah attends, ils seront aventuriers, généreux, francs, optimistes et un peu envieux. Hop! Tu l'as envoyé sur Terre? Oui. Ouais, enfin c'était peut-être un peu trop rapide, non? J'ai paniqué, ok? Hey l'ange! Aujourd'hui on va créer... un nouveau signe astrologique, je sais. Bah comment tu sais? Parce que ça fait 8 vidéos que tu fais ça. C'est pas faux. Et il s'appellera comment ce signe? Les Gémeaux! Ok, cool. Alors déjà les Gémeaux aimeront la musique. On est les dingues, 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 complètement dingues, dingues, dingues. Ah bah j'ai dit qu'ils aimeront la musique, pas forcément la bonne musique. Ah je confirme ouais. Ils aimeront aussi les jeux. Il y a un guerrier elf ou chef niveau 70. On va peut-être se calmer sur les clichés là non? Ils seront également très studieux. J'adore les mathématiques et le français. Est-ce que t'as entendu ce que je viens de te dire? Ce seront aussi de vrais fêtards. Let's go faire la teuf. Et ils seront aussi... Bon je crois que c'est bon là. Quoi? Je suis pas assez chargé là peut-être. Bah si, alors je descends sur terre moi. Ciao les nazes. Tu lui aurais pas mis un peu trop de caractère par hasard? Tais-toi l'ange. Hey l'ange! Aujourd'hui on va créer un nouveau signe astrologique, les poissons! Et déjà ils seront un peu maladroits! Ok, cool! Et hop! Bah, il est où? Bah je sais pas, j'ai claqué pourtant. Excusez-moi, je suis là, je me suis trompé de paradis. Trompé de paradis? Mais il y a qu'un seul paradis. Ah bah ça devait être les enfers alors. Tu confonds le paradis et les enfers? Ouais, les poissons sont pas hyper attentifs. Hey, attendez, il est passé où mon copain là? Ah, c'est un ami que je me suis fait dans l'autre paradis. Mais c'est pas un paradis, c'est les enfers. Et lui c'est le diable. Ouais, les poissons se feront beaucoup d'amis mais pas toujours les bons. Comment ça, je suis pas un bon ami? Ah bah si, il est pas bon mais il est gentil. Quoi? Les poissons sont aussi très francs. Et d'ailleurs, ça te dirait pas de revenir en enfer? Non, désolé, je vais aller sur Terre. Allez, salut tout le monde. Et les poissons sont aussi de vrais fonceurs. Ouais, je vois ça. Et si on n'a pas fini de le créer, on fait comment? Ah! Hé, l'ange! Aujourd'hui, on va créer un nouveau signe astrologique! Encore? Bah quoi? On en a déjà créé 11, c'est bon, non? Juste un petit dernier? Ok! Yes! Ce sera les béliers! Très bien! Eh ben, ça commence bien! Ouais, les béliers supportent mal les voyages, mais ils seront toujours positifs! Oh, ça va nickel! Ouais, ça a l'air, ouais! Ils seront aussi très partageurs et généreux! T'en veux un peu? Non, ça va, tranquille! Ils seront un peu susceptibles! Prends-le ou je te pète les jambes! Bah, je crois que je préfère que tu me pètes les jambes! Et ils seront toujours à la recherche de nouvelles expériences! Goûtu! Ah! Et voilà, terminé! Je peux envoyer les béliers révolutionner le monde! Je suis sûr qu'une fois sur Terre, ils vont faire de grandes choses! Allez, hop! Ah bah là il a surtout accompli son sac à vomi. Ah ouais, j'avais oublié les voyages.